Hello, hello, mes Danilo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci aux anciens abonnés pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons faire une recette d'assaisonnement de poulet. Sans toutefois tarder, nous allons passer directement aux ingrédients. Pour cela, nous avons besoin des morceaux de poulet. J'ai pris 7 voire à 8 morceaux. Je nettoie mon poulet. Je retire la peau. Ensuite, je vais enlever la graisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager. Après avoir enlevé l'excès de graisse, je vais nettoyer l'intérieur des os. Parfois, il y a certains excréments, on peut dire, qui restent de là. Après, je coupe mon poulet en deux. Je vais prendre encore un deuxième morceau de poulet et refaire la même chose pour ceux qui n'ont pas bien vu la première fois. J'enlève l'excédent de graisse. Ensuite, la peau. Je découpe le bord avec la graisse encore qui s'y trouve. Et pour finir, je découpe en deux. Je vais refaire le même processus sur tous les autres morceaux. Après avoir fini, je m'en vais laver mon poulet. Quand j'ai fini de laver mon poulet, je viens classer. Après avoir classé, je retire l'excès d'eau en tapotant un peu de partout. Maintenant, passons aux ingrédients des épices. Nous avons besoin de l'herbe de province, du paprika, du thym, du poivre noir, de l'oignon en poudre, ail en poudre, du persil séché, de l'épice adobo, du secret, du sel, de l'huile et du jus de citron. Je mélange d'abord mes épices. Après, je viens sur mon poulet, je verse de l'huile dessus. Après avoir versé de l'huile, je mets le jus de citron. Et après, je mets mes épices. Après avoir mis ces épices, on doit bien mélanger et laisser macérer pendant 3 heures pour permettre aux épices de bien pénétrer dans le poulet. 3 heures de temps plus tard, voici à quoi ressemble mon poulet assaisonné. J'ai eu à le mettre dans un four à 400 degrés Celsius et cuire pendant 1 heure de temps, 30 minutes de chaque côté.
On se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.